mon sécateur au cas où. Je le prends toujours, je le ramène toujours à la maison parce que ça peut rouiller. Et puis voilà, là j'ai pris deux paires de gants parce que parfois ça peut se percer. Donc j'en ai toujours deux dans mon sac, voilà. Disons, ce qui m'a plu, c'était de me rapprocher de formes sensibles, de quelque chose qui était des formes d'expression qui touchaient à l'invisible, à des choses inexpliquées, à des choses un peu obscures. Mais j'ai peut-être pas pris le bon chemin pour y arriver, dans le sens où je me suis dit que c'était dans l'art que je pouvais trouver ça. Tu vas tous les jours, hein, j'avoue. Oui, j'y vais tous les jours. Mais parfois, c'est juste pour fermer le poulailler. Mais j'en profite toujours pour regarder comment vont les pommes de terre et comment vont les arbres. Donc là, c'est la route de Javot, qui n'est pas écrite de la même manière que ça, mais pourtant c'est la même chose. Voilà. Donc on quitte le bourg pour monter un petit peu en altitude. Eh bien, je dirigeais le centre d'art de Vassivière jusqu'en avril 2021. Et maintenant, je me définis comme arboricultrice en formation, c'est-à-dire je suis en train d'apprendre à planter des arbres et puis à prendre soin des arbres. J'ai toujours travaillé dans l'art contemporain. Quand on est jeune, on est poussé à trouver un métier et puis on ne sait pas trop toujours comment y arriver, quoi. Et donc, comme il fallait trouver un métier, je pense que je me suis dirigée vers des études d'histoire de l'art et voilà, vers un poste. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être directrice d'institution, donc non pas des gros musées, mais plutôt des petits centres d'art où on peut encore expérimenter, on peut aussi modeler l'institution, enfin tenter de le faire en tout cas. Et puis on a une très grande liberté de choix artistique. Donc on arrive à Javot. Voilà, donc là c'est le début d'un futur verger. Donc on a planté des arbres fruitiers, des pommiers, des pruniers, des cerisiers. T'as le sureau, mais t'as l'aubépine, t'as des ronces. Là c'est très beau, hein, tout ce qu'il y a. Regarde, t'as encore un genévrier là-bas. J'ai rencontré plusieurs personnes. Qui avaient plein de talents multiples, mais on avait en commun d'aimer beaucoup ce paysage, ce terrain. Et on s'est dit qu'on pouvait faire ensemble des choses à cet endroit-là. Tu dirais que c'est quoi, toi, le point commun entre ton travail dans l'art contemporain que tu as quitté et le travail que tu as choisi aujourd'hui ? Hmm.
peut-être cette articulation entre un lâcher-prise, tu vois, une sorte de perte de contrôle qui m'a toujours fascinée chez les artistes, de quel était le moment dans leur œuvre où ils se laissent aller, tu vois, ils ne contrôlent pas leur travail. Et des moments de maîtrise, d'application parfois même un peu rigoureuse, d'observation de comment la matière va évoluer, qu'est-ce que ça va devenir. J'ai ce rapport maintenant à la matière avec mes mains. J'aime bien sentir, par exemple, dans les buttes de permaculture de pommes de terre, si tu mets la main, c'est frais en dessous, c'est humide. Tu vois, j'aime bien mettre ma main dans la terre. Tu vois, il y a quelques pommes de terre, ça c'est... Je regarde s'il y en a toutes. Mais non, je vais les laisser, hein, parce que... Ce côté artistique qui est de l'ordre de l'intangible, de l'inexplicable, il n'est pas vraiment accepté par la médiation telle qu'elle est la plupart du temps, quoi, disons la médiation conventionnelle. Et pourtant, ton travail, c'était aussi une grande part de médiation. Bah oui, malheureusement, c'est vrai qu'on est toujours forcé à expliquer. Souvent, on entend l'art, c'est élitiste parce que ce n'est pas compréhensible par tous, parce que c'est des formes d'expression, de traduction, de choses qu'on ne peut pas exprimer autrement. Et c'est vrai que j'ai été, malgré moi, c'était moi qui me suis enfermée là-dedans, je ne savais pas trop comment en sortir d'ailleurs. C'est pour ça que je devais complètement sortir, de vouloir donner des explications. Aujourd'hui, c'est devenu une forme de consommation, de vouloir avoir accès à tout, de ne plus accepter que quelque chose ne soit pas accessible, soit opaque, soit hermétique. Par exemple, si on dit hermétique, c'est un terme négatif pour des personnes, alors que moi, je trouve ça existe aussi. C'est une des composantes de notre rapport au monde. Enfin, on ne veut pas l'accepter, quoi. On veut pas accepter. Donc cette paille, elle va rester humide. Tu vois, là, celle qui est au fond de la brouette, elle était bien humide. Et donc, comme il va pleuvoir, ça va pouvoir garder l'humidité de la pluie. Mais tu vois, là, ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est de créer les petits murs, là, pour retenir l'eau. Donc là, je mets ça parce que en fait, il y a pas mal de chevreuils, etc. Ça se porte bien. Voilà. Après, alors, ce qui est super, c'est si je prends du bois mort, tu vois, là, je vais faire ça. Ici, il y a vraiment beaucoup de choses que je peux récupérer. Ça va être très bon pour l'arbre aussi. Ça va faire des champignons. Donc voilà, ce qui est super, tu vois, c'est ça. Parce que là, ça va être bien, ça va garder un peu l'eau. Et donc, je vais essayer d'en mettre un peu. Pour chaque arbre, j'essaye de faire ça. Ça va être bien. Moi, après, je rajoute au fur et à mesure. On verra si ça marche.
Je me sers aussi de ce bois, par exemple, pour tenir la paille pour pas qu'elle s'envole. Mais d'autres personnes la mettraient en dessous. Donc ça, je peux... Par exemple, sur celui-là, je fais comme ça pour voir. Puis un autre, je vais mettre le bois mort en dessous. Et comme ça, je vois la différence. En revenant, à chaque fois, je regarde. Je regarde s'il y a une différence. C'est quelque chose que tu pouvais te permettre avant, quand tu étais directrice du centre ? Expérimenter des choses au risque que ça ne marche pas ? Je pouvais, mais il fallait toujours un résultat qui était visible le jour où l'exposition ouvre. Et quelque part, une forme de perfection, puisque c'est un état arrêté. C'est ça que les personnes vont voir. Alors que là, les résultats... Ils sont là, mais c'est sur un temps beaucoup plus long. C'est pas visible tout de suite. Il y a plein de choses qui échouent, mais comme il y en a d'autres qui fonctionnent, c'est pas grave. Et puis, et donc je m'autorisais pas cette part d'expérimentation-là dans le champ de l'art, alors que de changer de territoire, d'aller vers le champ des plantes, du vivant, comme j'ai tout à découvrir et que en plus je fais le choix de ne pas passer par le savoir académique pour faire ce métier, mais d'apprendre sur le terrain, de moins avoir recours à un savoir que j'ai vraiment accumulé pendant des années, aussi dans une forme de reconnaissance sociale ou de trouver ma place dans ce champ du savoir. Alors qu'ici, j'ai envie de trouver ma place à un autre endroit pour changer des choses à une toute petite échelle. Je suis plus efficace à cet endroit-là, finalement. J'ai l'impression d'être plus utile, en fait. Là, donc, Royale Blanche d'Août. C'est un cerisier. Ah, c'est un prunier. Et il nous a été donné par le Conservatoire Régional d'Aquitaine, qui est un conservatoire végétal d'arbres fruitiers qui est en train de fermer. Et donc, on a un peu une forme de responsabilité de préserver toutes ces essences d'arbres fruitiers ici. Et de voir aussi qu'est-ce que ça va devenir. Ça, je ne sais pas ce qu'on a planté. Ah, c'est des griottes. Ah oui, cerisier. C'est résistant. Mais il y a eu un peu... Tu vois, il y a eu des gelées au début. Et après, ça va bien pousser quand même. J'aime bien voir que c'est mélangé aux patates. C'est vrai que j'aime beaucoup faire ça, hein. C'est une forme de soin, de... Voilà, c'est des petits gestes, c'est des petites choses. On sent qu'il y a toute cette matière souterraine qui est dans la terre, quoi, avec aussi tout ce réseau de champignons, de mycorhizes autour des racines. J'aime bien savoir juste que ça existe, que c'est sous terre. Et voilà, moi, ça me satisfait, quoi, de savoir que c'est là et de pas forcément le rendre visible. En tant que directrice d'un centre d'art, forcément, t'es amenée à faire de la monstration, quoi. Alors que là, la place que tu t'es choisie, elle est assez à l'opposé. Oui. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai découvert que... je devais me rapprocher de ce que j'étais plus profondément, quoi. Donc ça, c'est tout un travail que j'ai fait sur moi-même, enfin, pour essayer de plus me mentir à moi-même ou de plus fuir ce que je devais faire. Donc j'ai l'impression là de me réaliser, d'avoir été aussi aidée par les autres avec qui je vis pour pouvoir faire ça.
d'être épaulé par les autres, où certains vont être plus dans la construction, dans le projet, pour me laisser moi faire ça, parce que c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Donc ça, je trouve ça génial de sentir que les autres, ils te laissent, ils te permettent ça, en fait. Voilà. Mm-hmm.